On est d'accord? C'est l'association. Alors, aujourd'hui, les associations font quoi? Ils montent des projets, ils cherchent des financements, des appuis. Et après, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Ils bouffent. C'est qu'il n'est pas activiste. C'est pas vrai, ça ne va pas se faire. Deux, l'autre structure, c'est quoi? C'est l'ONG, le grand frère de l'association. Aujourd'hui, la plupart des leaders que vous aimez, que vous appréciez, qui ont des belles voitures, qui ne sont pas venus en moto comme certains, Aura et moi, ah, là, il a une voiture quand même. Donc, nous qui sommes venus en moto, ce qui nous différencie, je ne dis pas qu'Aras fait partie de ce groupe, mais il faut que je vous le précise. Il y a beaucoup de gens qui vous admirent à la télé, qui n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont monté des projets, ils n'ont pas de conviction idéologique comme nous. On ne va jamais aller lécher les culs, je m'excuse, auprès de certaines personnes. On ne le fera jamais. On ne va jamais se rabaisser devant l'ambassade de France, devant l'ambassade de Danemark, ou je ne sais pas qui. On ne le fera jamais. On ne va jamais accepter de défendre l'homosexualité dans ce pays. Il y a des principes que nous ne violerons jamais dans ce pays. Mais eux, ils sont prêts à les violer. Qu'ils pourvu qu'ils aient des petits financements pour leurs associations et leurs ONG, qu'ils aient des petits 2 millions d'activités, 10 millions d'activités, 30 millions d'activités, ça leur suffit largement parce qu'ils vivent de leurs associations, ils vivent de leurs ONG, ils vivent de ça. Ils vont vers les partenaires techniques et financiers et ils s'abaissent. Mais c'est un beau modèle, malheureusement. Nous autres, c'est même pas votre problème, vous pensez que nous-mêmes nous sommes des maudits parce que nous ne faisons pas la même chose que vous. C'est l'occasion de le dire, hein. On vous le dit parce que vous êtes nos jeunes frères. Si vous arrivez, si vous faites les mêmes erreurs que ces gens-là, nous allons continuer à avoir le même type de maliens que nous avons. Des gens qui ne suivent que leur ventre et ceux qui en bas du, ils vendent, pas plus par nous. Maintenant, il y a d'autres organisations. Les gens créent des mouvements. Au Mali, on crée des mouvements chaque semaine. Chaque semaine, on crée un mouvement. Et chaque mouvement n'a qu'un seul objectif, un point de presse, une conférence. Insulter quelqu'un, comme l'a dit mon frère, voilà, pour dénigrer quelqu'un, et la semaine suivante, le mouvement est mort. Parce qu'on va chez un politicien, on les caresse les pieds. Vous voyez ces jeunes qui sont sur des plateaux, ils insultent les policiers. Je vous le jure, ils vont aller, même sans des politiciens pour aller manger. Je vous le jure, les gars que vous appréciez, que vous appelez vos leaders, si vous savez ce qu'ils font dans les maisons des hommes politiques, vous n'allez même pas les tendre. Les activités qu'ils font dans les bourses du travail, dans les boulevards, dans les circulations, ils vont chez ces mêmes politiciens à la Kama, 100 000 dames, 200 000 dames, mouvement Bamboulou. Et les politiciens dont ils reviennent encore insulter ces mêmes politiciens. Donc ça ne peut pas marcher. D'accord? Et je termine par le dernier groupement, ça c'est les partis politiques. Au Mali, les partis politiques doivent contribuer. Tout ce que Ras Kébé est en train de faire, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, c'est une action citoyenne. J'apprécie beaucoup le CVC pour son dynamisme et les actions concrètes qu'il pose sur le terrain. Mais ce n'est pas le rôle direct. C'est là un nombre de partis politiques qui prennent entre 7 et 9 milliards de francs CFA par an. Au Mali, l'État donne de l'argent à toutes les presses, celles qui sont habilitées à l'avoir. Voilà le gouvernement. On donne de l'argent aux partis politiques, on donne de l'argent aux journaux, aux radios, aux télévisions. Pour faire quoi? Pour promouvoir la démocratie. Promouvoir la démocratie, c'est quoi? Faire connaître aux citoyens leurs droits et leurs devoirs. Mais qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Prenons les partis politiques. Ils bouffent l'argent. Et une partie, ils le laissent dans les caisses. Parce qu'ils savent que nous n'avons plus de conscience. Que nous sommes bien bétails électoraux. Et le jour des élections, ils viennent, ils payent nos mamans, ils payent nos papas. Et ils vont voter pour eux. Parce que nous autres, nous refusons de voter. Et nous refusons également de nous engager. Nous refusons de nous engager. On ne sait faire autre chose que dénigrer, critiquer et traiter les autres d'imbéciles. C'est tout ce que nous avons fait. Donc je vais terminer, s'il te plaît. Okay. Laisse-nous parler. Vous nous avez appelé, il faut nous laisser parler. Vous nous laissez dire ce que nous avons à dire. Festi Gora, ça fait 6 ans, je n'ai jamais été invité. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, je vais parler et je vais dire ce que j'ai à dire. Parce que nous faisons, ça dit, nous déchargeons. Nous ne déchargeons pas pour nous, pour l'histoire. Et nous vous prenons en témoin devant l'histoire. Ce que nous sommes en train de dire, peut-être ça n'aura pas l'impact que nous voulons aujourd'hui.
Peut-être certains vont dire même ça, c'est des manamanaka. Mais il est important qu'on vous le dise pour que le jour J, que vous vous disiez ah, mais Dieu, ça va, vous pouvez être fort. Parce que nous trois, nous sommes tous du même mouvement, nous sommes tous des panafricains ici. Allah, faut que tu aies donné. Nous sommes tous de la même idéologie politique qui est le panafricanisme, qui est derrière la seule solution. Maintenant, pour terminer, je vais terminer avec le verset, parce qu'il y a des jeunes qui veulent savoir. Je pense que ça doit se prononcer comme ça. Rabbi ahfir li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. C'est comme ça que ça se prononce. Ceux qui veulent le dire, ceux qui sont des bons musulmans, ils veulent dire ça. Même ceux qui sont des mauvais musulmans, ils veulent dire ça va marcher. Alors, je termine avec une dernière chose. Je ne veux pas que vous soyez des hi, des han et des hon. C'est une expression que j'ai inventée en septembre 2019. Je vous explique. Non, je sais. D'accord. Je le salue. Alors, les hi, c'est quoi? Les hi, vous savez, il y a des animaux que vous connaissiez, vous tous. Vous les connaissez. Alors, il y a ceux qui sont comme. Avec les dents. Le porc. Même si certains ils mangent le porc. C'est pas là le problème. Ce qui nous intéresse, c'est son comportement. Le porc a un comportement. Là, il faut faire un clagatier. Maintenant, il y a ce groupe de jeunes. Tout ce qu'ils font, ils reviennent eux-mêmes détruits. Ne soyez pas des première chose. Vous comprenez. Deuxième des choses, ne soyez pas des rangs. Les rangs sont ceux que quand on leur dit rangs, seulement ils courent. Comme là, ne courez pas. Je vous en prie, il ne faut pas courir. Et le dernier groupe maintenant, ce sont les rangs. Nous, vous voulez qu'à donner tout le monde. Donc ne soyez pas comme ça. Je ne veux pas que nous soyons des rangs, des rangs et des rangs. Ah. Merci. Merci. Pour revenir à ta grand matière, il y a beaucoup parlé d'activisme, des activistes. Selon toi, que faut-il faire pour être un bon activiste? Au-delà de l'activiste, que faut-il faire pour être un bon citoyen du monde? Je l'ai dit, je suis altermondialiste. Je ne suis pas un être humain qui est indépendant de toute cette mosaïque qui nous entoure. Faisons partie d'une communauté humaine. Et je me sens solidaire vis-à-vis des peuples de Papouasie autant que des peuples de l'Asie. Je ne suis pas une singularité humaine. Et nous partageons cette grande maison qui est la Terre-Mère. Et un battement d'aile de papillon en Chine peut provoquer un tremblement de terre à Bamako. Nous sommes dans cette dynamique universelle. Et dans la vie, que faut-il faire pour être un bon activiste? Il y a un ami avec qui je discute. Parce que la première des choses, c'est de chercher à apprendre. Apprendre. Comprendre. Et servir. On ne finit jamais d'apprendre. Et c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'aussi grandes études que ça. Et c'est quelqu'un qui n'a pas défendu des thèses ou des professorats, mais c'est un aventurier malien qui aujourd'hui vit le mal dans l'âme. Cela, ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes dans une société. L'activiste est membre de cette société. Et dans cette société, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous manque? C'est qu'il n'y a pas de repère. Nous sommes à l'école. Et vous connaissez tous, pratiquement dans la salle ici, ce qu'on appelle un repère orthonormé. Vous savez ce que c'est qu'un repère orthonormé, n'est-ce pas? Ah, c'est une mauvaise. Des littéraires ne les savent pas. Un repère orthonormé en géométrie, les deux droites qui se traversent, dont
l'axe forme un angle droit. Ça commence de 0 à l'infini. Et ça commence de moins 0 à l'infini. Et prenez l'univers comme un repère orthonormé et essayez de vous placer là-dessus. Là où il y a les moins, ce sont les moins productifs. Là où il y a les plus, ce sont les plus productifs. Et prenez un de vos modèles, placez-le sur ce repère. Et à partir de ce dernier, essayez de vous placer vous-même sur ce repère. La notion de repère est très importante. Un homme sans repère est comme un animal. Vous n'avez pas de repère. Ça veut dire que, je vous jure, que nous sommes dans une société où 90% des gens n'ont pas encore trouvé le repère. Les gens n'ont pas trouvé leur but dans la vie. C'est pourquoi ils font tout et n'importe quoi. Leur vie n'a pas de sens. Ni toi, Willa, Willy, ni toi, Sigra, vous l'avez ici. Placez-vous sur ce repère et donnez-vous une direction. Si vous voulez descendre, l'autre jour, j'ai appelé mon petit frère. Je voyais qu'il commençait à se comporter bizarrement. Ses résultats étaient de moins en moins bons, c'est bon plutôt. Et je l'ai appelé, je dis, grand frère, lui il était étonné. J'ai dit, il faut que tu me le dises. Vous savez, il y a deux voies. Moi je vois la vie comme un repère. Soit tu acceptes, on monte ensemble vers les plus. Soit tu me dis la direction que tu veux prendre, si tu veux descendre en bas. Monter vers le repère, vers le haut, c'est accepter d'être. Et maintenant l'autre, c'est de descendre, refuser de bosser et faire tout ce qui est mauvais. J'ai dit, j'ai même des plans pour toi. Hein. Si tu ne veux pas aller à l'école, dis-moi. Hein. Si tu veux voler les motos, moi j'ai des techniques, j'ai des gars et je peux tout. Il m'a regardé bizarrement. Il était choqué. J'ai dit, mais si tu veux vendre des trucs bizarres, je connais des gens aussi qui peuvent vraiment te mettre sur la route. Et sérieux, si ils te font prendre, c'est sûr. Je peux donc te garantir de temps en temps d'aller te voir. Il m'a regardé bizarrement. Il ne m'a pas répondu. Moi aussi, je n'ai plus insisté. Et je suis parti. En fait, c'est une question de repère. Nous sommes africains. Je vous jure, nous sommes panafricanistes. Ce n'est pas par plaisir ou pour se montrer. Ce n'est pas parler avec des boubous. Non, non. Je suis désolé. Nous sommes convaincus. Nous avons compris. Nous avons appris. Et c'est après plusieurs années de réflexion, de causerie, de recherche, d'études qui nous ont amenés à cette conviction-là. On ne l'a pas emprunté. Moi, je suis avec Aminat Adraman depuis plus de 10 ans. J'espère que vous la connaissez. Une des personnalités, un jour, quand elle va partir, ils vont dire, eh, pourtant, c'est une bonne personne. Vous avez fait quoi quand elle était là? Nous avons des bibliothèques qui vivent encore et on ne les connaît pas. Ouais, quand ces personnes-là vont disparaître un jour, j'espère que ça soit le plus loin possible. On va se demander, on va se dire, ah, pourtant, c'est une bonne personne. Et pourtant, c'est en ce moment on va faire sortir ces vidéos, ces archives. À quoi cela va servir? Pourquoi ne pas profiter d'eux quand ils sont encore là? Elle non plus, je ne la suis pas parce qu'elle est riche ou qu'elle a l'argent. Non, nous partageons une conviction ensemble et nous y croyons. D'accord. Maintenant, je vais faire ce qu'il a dit. Ça fait 6 ans qu'il a fait ce courant. Et non, voilà, c'est la femme. Et bon, moi, jamais invité pour aller dans le panel. Non, je ne vais pas aller. Je vais pas aller plus loin. Et regardez-vous et regardez le reste du monde. Vous saurez quoi faire. Observez l'Afrique, observez l'Europe, observez l'Asie. Et regardez le rapport qu'il y a entre nous. Vous saurez quoi faire. Démocratie, démocratie, démocratie. On pensait que c'était là la solution. Avant la démocratie, on a crié quoi? On a dit non, la Première République nous fatigue. Nous voulons un changement de régime. Moussa Traoré est venu. 23 ans après, on était fatigué de Moussa Traoré, on a changé. Ensuite, on est arrivé en démocratie, on a fait 30 ans de démocratie aujourd'hui. Tout le monde est déçu. Je vous dis une chose, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Tant qu'on n'a pas mis le doigt sur le problème, on va continuer encore à tourner, à souffrir davantage, à débattre, parce qu'on n'a pas trouvé la solution. Et la solution, elle est claire. Quand la démocratie est arrivée, elle est arrivée avec de belles promesses. Mais pourquoi les alphas n'ont pas pu faire le boulot? Il faut qu'on le dise. Au lieu de ce qu'a fait Bill. Mais nous, on peut se le permettre. Vous savez ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel? C'est des notions qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Mais ce sont des notions qui ont fait de ce Mali ce qu'il est aujourd'hui.
Le programme d'ajustement structurel, c'est quoi? L'État n'embauche plus. La fonction publique ne prend plus personne. L'État ne s'occupe plus de l'éducation. L'État ne s'occupe plus de la santé. On confie ça aux pharmacies, aux cliniques privées. On crée, on laisse venir le secteur privé. Ils vont gérer. Tout le monde va avoir de l'emploi. Résultat, un État qui est même incapable de se prendre en charge. Comment faudrait-il que cet État assure l'essentiel pour les populations? À partir du moment où l'État a abandonné certains de ses privilèges au secteur privé, l'État a perdu. On a perdu le contrôle de l'énergie, on a perdu le contrôle de l'eau, on a perdu le contrôle de la communication, on a perdu le contrôle même de l'employabilité des jeunes. Et aujourd'hui, on veut que cet État-là fasse le boulot. Et cela a été fait comment? Ce sont des partenaires extérieurs qui ont imposé ça. Pas seulement au Mali, mais à tous les pays de la sous-région. Et résultat, aujourd'hui, comme bizarrement tous les pays qui sont autour du Mali vivent les mêmes problèmes. Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? Moi je dis que c'est la faute, c'est à Ibrahim. Parce que c'est lui qui était là au pouvoir de 95 à 92. Ibrahim aussi dit non, ce n'est pas ma faute. Avant moi, il y avait Ras Kébé aussi qui était là. Entre nous, on est en train de se déchirer socialement, politiquement. Alors, idéologique, il y a des gens qui sont en train de nous combattre. Et ils le font idéologiquement, ils le font culturellement, ils le font socialement. Tout ce qui est fait aujourd'hui. Mais écoutez, je vais terminer là-dessus. À partir du moment où tu ne peux pas t'habiller toi-même, à partir du moment où tu ne peux pas cultiver pour manger toi-même, à partir du moment où tu ne peux pas assurer ta propre sécurité toi-même, mais où veux-tu? Pourquoi veux-tu? Comment veux-tu qu'on te respecte? Pourquoi veux-tu que ta voix porte? Parce que tu t'es déjà laissé aller. Aujourd'hui, on ne produit plus rien. Nous-mêmes, on ne fait que consommer. Même la production d'idées, même sur le plan intellectuel, on ne produit plus rien. Alors aujourd'hui, si on me demande comment être un bon activiste, c'est celui-là qui comprend les enjeux politiques, stratégiques, géostratégiques, pas seulement de lui-même, ni de la société malienne, mais de la situation actuelle du monde. Si vous faites vos calculs, vous ne calculez pas les rapports qu'il y a entre le Mali et ses voisins, le Mali et l'Afrique et les autres continents, mais vous faites un mauvais diagnostic. Et on va se retrouver dans des combats stériles qui ne produiront jamais de résultats. Donc, moi, à titre là, n'est-ce pas? Avant de donner la question au public, j'espère que beaucoup en ont des questions, n'est-ce pas? Voilà, nous allons demander à Ras et rapidement de nous dire ce que vous pensez de ça. D'accord. Alors, d'accord. Bon Marley nous disait, et merci Pedro Yosef, pour m'interciller, dans le bar de ton frère Roman, et pour le film de ton Kenji. Émancipez-vous de l'esclavage mental. Personne d'autre part vous ne pourra vous libérer de cette chaîne de l'obscurantisme. Parce que les autres sont activistes. Justin aussi moi, un activiste. Les autres font cela, moi aussi je ferai la même chose. Des fois, on me pose la question. Tu te dis Rasta, pourquoi tu es Rasta? J'explique. En une heure de temps, si je veux, deux heures de temps, j'explique. Pourquoi je suis Rasta? Si tu es un activiste, il faut d'abord chercher à reconnaître qui est activiste. Hier tout près, je prenais du carburant, il y a un militaire qui est venu me voir, j'étais habillé, donc je portais le brevet. Il dit tu es militaire, je dis oui, je suis militaire. Il dit ah bon, je dis oui. Comment ça va? Je dis oui, bien sûr. Tu es policier, je dis non. Il dit tu es gendarme, je dis non. Il dit, tu es bien, j'ai dit non. Il dit, tu es qui alors? Je lui ai répondu, je suis gardiste. Je suis aussi un soldat du roi David. Il a été ébahi. Je vais poser la question. Parce que je porte le bré, je porte les tenues militaires. Lorsqu'un membre m'a été interviewé, j'ai dit la même chose. J'ai répondu à ce monsieur, il dit, pourquoi gardiste? Tu te dis gardiste et tu portes le bureau vert. J'ai dit oui, c'est Marcos Mosea Gardé qui a demandé aux Africains de revenir en Afrique, combattre en Afrique. Il a créé son propre armée.
Et ces soldats aussi s'habillaient en militaire. Moi, je suis dans l'église. Je suis aussi un soldat du roi David. Le roi David, c'est le prophète d'Oga. Chez les musulmans, chez les chrétiens, ils appellent David. C'est Nabi Daouda, le roi David, qui a fait 106 combats au nom de la religion de Dieu sans défaite. L'armée prend sa création dans les Zabours, qui est un prophète de Dieu, Zabour. Le roi David, après 106 combats au nom de la religion de Dieu, il a dit à Dieu, je construirai un temple à votre nom. Il dit non, David, ta main est sanglantée, ta main est souillée. Tu ne pourras pas construire un temple à mon nom. Sinon, les autres diront, pour avoir Dieu, il faut tuer, il faut verser le sang. Le roi David, le roi Salomon, Massa Suleiman, qui est descendant également du roi David, c'est lui qui a construit un temple au nom de Dieu. Et le roi David et le roi Salomon, sa femme, la reine de Saba, leur premier enfant, Mélique premier, le 224e descendant de Mélique premier, c'est lui, Haïlé Sélassié. Et Haïlé Sélassié, en 1927, dans l'église, quand Marcos Mozart gardait prêcher, il dit retournez-vous vers l'Afrique, un roi sera couronné, il va couronner la région de Dieu. Le noir n'est ni supérieur à l'homme blanc, et l'homme blanc n'est ni supérieur à l'homme noir. Il dit encore, quand les blancs lisant la Bible voient un Dieu blanc, il est temps que les noirs créent les problèmes à travers lesquels, en lisant la Bible, verront un Dieu noir qui viendra au secours de l'homme noir. Le roi David a laissé la sienne et les descendants du roi David. Moi, je suis son soldat, je suis le père, et pourtant, je m'habille en Dieu. Donc, pour être un activiste d'abord, il faut chercher à savoir c'est quoi l'activisme. Je viens de vous citer un exemple tout à l'heure. Un activiste qui est connu sur la place lors d'un débat télévisé en 2019 qui a révélé sur le plateau qu'il est activiste et qui vit de son activisme. Il dit que l'activisme est une profession. Il se dit intellectuel. Je vous dis, des vidéomans se font appeler activistes. Ils prennent des forfaits de Kengo, des chroniqueurs se disent et se font appeler des activistes. Un activiste qui n'est pas sur le terrain, sur le champ de bataille, man, qui ne jette pas des cailloux, qui ne brille pas des pneus, qui ne revendique pas avec violence des formes. Rasta, moi je ne comprends pas ça. Donc pour arriver pour être un activiste, il faut apprendre, il faut se cultiver. Et moi, je n'ai pas eu la chance peut-être de faire de grandes études comme Ora et Ibe, mais j'apprends encore avec eux, Ibe, j'apprends avec lui. Ora sera plus en train de le voir, mais j'ai appris aujourd'hui avec lui. Grâce à Festivora. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer la parole au public. Ceux qui ont des questions. Voilà. C'est le moment. Hein. Est-ce que le travail d'un activiste peut être peut constituer tout simplement former d'autres activistes. Oui, aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. De lancer une campagne qui s'appelle la campagne nationale de coaching et de formation. Donc, l'objectif réel, c'est de former le maximum de jeunes sur certains motifs qui sont les bases, pour moi, de l'engagement citoyen et de l'engagement politique. Quels sont ces motifs-là? Il y a la prise de parole en public. De façon globale, même si ce terme est un terme biaisé, ce n'est pas le lieu d'en parler. D'autres choses, c'est la vie associative, parce que les gens créent des associations, elles meurent après parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances en matière de gestion d'association. Il y a le leadership, il ne faut pas diriger sans leadership, ce n'est pas possible. Il y a également un motif qui est l'engagement citoyen. Également les modules que nous proposons. Et enfin, dernier module qui s'appelle l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que pour moi, on ne peut pas être un bon activiste sans pourtant être indépendant économiquement. Donc ce n'est pas possible. Il y a des mêmes mots. Voilà. C'est très difficile. D'accord? On va répondre après à la question d'Esther par rapport à ce. Je pense que c'est là la première question, n'est-ce pas?
on ne peut pas être activiste sans idéologie. Ce n'est pas possible. L'idéologie est la base. Il faut que tu saches qui tu es. Aujourd'hui, vous, nous ne sommes plus dans le système. Dieu merci, on remercie Almighty God. Parce qu'on est sortis, nous, du système. Vous, vous êtes toujours dans le système. On est du haut et fort, vous êtes tous dans le système. Ce qu'on vous enseigne à l'école, à 95%, c'est du mensonge. Et ne pas perdre le vue. Que les ministres de l'éducation l'entendent, c'est son problème. 95% des choses qu'on vous enseigne qui ne sont pas scientifiques sont des mensonges. Pire. Et aujourd'hui, ce sont des vérités parce que vous êtes obligé de les recopier ces choses-là pour qu'on vous donne des notes. Mais sachez que c'est des mensonges que vous donnez. Eux-mêmes, ils vous enseignent des mensonges. Les enseignants qui vous enseignent ont honte de ce qu'ils enseignent parce qu'ils savent que c'est des mensonges. Les rares matières qui servent à quelque chose, peut-être, c'est la philosophie. Même la philosophie, quelle philosophie? Pourquoi nous enseigner les grands-pères des autres? Parce qu'ils ne voient pas bien que nos grands-pères. Donc nous, nos grands-pères n'ont rien fait. Pendant plus de 20 000 ans, nos grands-pères n'ont fait que dormir. Et c'est Marc qui connaît quelque chose, c'est Émile Durkheim qui connaît quelque chose, c'est Kant qui connaît quelque chose. Nous, nos grands-pères ne connaissent absolument rien. Pourtant, ils ont créé le Djatiga, ils ont créé le Sinanga, ils ont créé les Balmaya, ils ont créé les Sidia, ils ont créé pas mal de concepts. Ils ont créé des grands empires. Et avec tout ça, ils n'ont aucune connaissance. Et ce sont ces gens-là qu'on nous enseigne dans les écoles. Donc il faut que vous soyez des gens qui sont hors système. Pour ce faire, il faudrait que vous ayez une idéologie. L'idéologie que nous vous proposons, la meilleure, c'est le panafricanisme. D'accord? Maintenant, lorsque vous allez suffisamment comprendre le panafricanisme, là, vous pourriez être altermondialiste, vous allez être aussi comme un guémariste pour aller au-delà du combat simplement africain. C'est-à-dire que vous allez lutter à la fois pour le Mali, lutter à la fois pour l'Afrique, sans oublier les autres peuples opprimés partout sur à terre. Mais il faut d'abord commencer chez soi d'abord. Hein, la charité vient d'ordonner les îles. Maintenant, la prise de parole est-elle à la portée de tout le monde? Je pense que tout le monde parle. La prise de parole, c'est rien, c'est quelque part, mais seulement. Qui ne parle pas? Vous savez, vous pensez que vous ne savez pas parler en public. C'est un mensonge. Nous, les coachs, on vous bluffe. On vous laisse venir prendre votre argent juste pour vous dire que vous savez déjà le faire. Vous comprenez? Vous savez tous déjà parler. Vous avez déjà parlé en public, vous passerez toute votre vie à parler en public. On ne vous apprend pas à parler en public, on vous apprend à bien parler en public. C'est ça que vous devez comprendre. Donc je vais me limiter là, c'est trois petites préventives. Merci. D'accord. Voilà, parce que ça, ça peut faire l'objet d'un autre module de formation. Ouais, que de Epti Mali, c'est tellement bien fait. L'importance de la prise de la parole en public. J'ai eu à le dire, même si je n'ai pas trop développé tout à l'heure, j'ai dit qui prend la parole prend le pouvoir. Nous sommes dans un monde de communication. Prenez la parole et vous aurez le pouvoir. Et je prends un exemple. Et remarquez bien, tous ceux-là qui prennent, tous ceux-là qui ont le pouvoir aujourd'hui sont ceux-là qui ont la parole. Le président de la République n'exerce que par la parole. Au Parlement, au Conseil national de la transition, on n'exerce que par la parole. Les gens qui vous influencent, que ce soit les religieux, ils n'exercent que par la parole. Les magistrats, les journalistes, ils n'exercent que par la parole. Les activistes qui sont aujourd'hui ici avec nous, n'exercent très souvent que par la parole. Alors, la seule question que vous devez vous poser, c'est de savoir, peut-on ne pas prendre la parole, ne pas s'en servir? Non. Parce que même le fait, même le silence est une communication. Donc vous êtes obligé. C'est indispensable de prendre la parole. Voilà. D'abord, tu peux enchaîner avec la question suivante. On dit, est-ce que tout le monde peut-il être activiste? Non, tout le monde ne peut pas être activiste. Je suis désolé. Tout le monde ne peut pas être activiste. Tout est posé. Il dit que les gens ont une autre maladie plus grave. L'impérialisme est une maladie que lui ne peut pas soigner en tant que docteur, donc il dépose ses ciseaux et ses bandages, il va faire le tour du monde, il va aller partout, les peuples auront besoin de lui pour mener son combat. Alors, vous imaginez-vous en train d'abandonner tout ce qui vous est le plus cher, vos études, vos parents, votre vie, vous mettez ça entre les mains de votre lutte. Il a été tué, mais la façon, la manière par laquelle il a été tué, c'est pitoyable. J'ai dit, quand j'écoute l'histoire, quand je lis l'histoire de Che Guevara, ça me donne des larmes aux yeux.
Che Guevara, comme il a été tué, il a été dénoncé par un éleveur. L'éleveur pour lequel il a décidé de se battre toute sa vie durant quoi. Et c'est un de ces derniers là qui a dit aux forces de l'ordre, il était là. Ils l'ont vu, ils l'ont fusillé. Alors qu'il a sacrifié toute sa vie pour ça. La question que vous posez, cette question vous la posez à vous-même. Est-ce que je veux mourir de cette façon-là? Est-ce que je veux prendre la peine de me battre pour ces gens d'initiatives? Est-ce que ça ne serait pas mieux pour moi de terminer mes études et rester à la maison, me marier, me faire des voitures, me faire des enfants? En tout cas, je pose la réserve. Nul n'a de l'avenir dans un pays qui n'en a pas. Personne n'a de l'avenir dans un monde où il n'y a pas d'avenir. Voilà. D'accord.